4h du matin et je me dirige vers Jaipur, donc je quitte Delhi. Voilà, après avoir passé 4 jours d'effervescence, et ben je vais vous dire, ça va faire du bien, retrouver peut-être un petit peu plus de calme. Enfin, du moins, j'espère. Ah, je me fais klaxonner de partout, laisse tomber quoi, c'est toujours pareil. Voilà, et ça klaxonne. Ah là 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 là. Bon, là on est à la gare hein, de Delhi. Donc j'ai vu en train et il y en a pour 4 heures. Parce que l'Inde c'est tellement grand que le moindre bout de trajet, ben ça prend des heures, quoi, ça prend des proportions. Bon, pour aller dans le sud, bien évidemment on prend l'avion, les vols internes, parce que sinon. Je crois que vous en finissez plus quoi. Et me voilà arrivé donc à la capitale du Rajasthan. Bah, il s'agit tout simplement de Jaipur, dans la région des rois et des grands de ce pays. Et oui, parce qu'en fait, c'est une région où il y a eu beaucoup de temples, beaucoup de tombeaux érigés. Le Rajasthan est connu pour ça. Et vous voyez juste derrière moi le fort d'Amer, qui est une superbe citadelle qu'on va aller voir et donc on va les visiter directement ensemble. Et s'il y a bien une raison de s'arrêter à Jaipur, c'est surtout pour ça. Et puis aussi les éléphants et tout ce que recèle la ville dans ce début de désert, puisqu'on est aux portes du désert. Le Rajasthan, c'est un peu ça. Et on va le découvrir ensemble au fur et à mesure.
J'espère que les images vous auront plu, fin de cette petite visite, comme ça, vous avez pu me suivre dans les remparts, un peu comme si vous y étiez. Et là, on va continuer, on va aller voir un autre endroit très très fort de Jaipur, où il y a pas mal de visites et de tourisme. Et bon, je vous en dis pas plus, regardez. Chauffeur guide. Jay. Ah, is here, Jay. Yes, I'm here. Ah. It was more long than one hour because there was only one people at the cash desk. Song. Yes.
juste à côté du fort Amber. Et Jaguar Fort, en fait, abrite des grands singes. Alors, je ne connais pas l'espèce, mais ils sont très drôles parce que je viens de voir un truc qui s'est passé que j'ai pas eu le temps de filmer. C'est qu'ils attrapent les paquets de pop-corn des touristes au passage. Et alors, je veux dire, c'est assez violent. C'est comme ce qu'on appelle ici les snatchers, vous savez, les gens qui piquent. Clac. Direct. Il n'a rien vu venir. Il y a une petite fille qui s'est fait piquer son paquet de pop-corn. C'est pas top pour elle, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et regardez les coupables, ils sont juste là-haut. Jaipur, voilà, il y a donc le tout premier qu'on a vu tout à l'heure, l'intermédiaire, c'est-à-dire celui qui est donc moyen, on va dire, en termes de taille, et celui-là, c'est le plus petit, donc le fort de Nagar, par contre, qui est situé tout en hauteur, mais la vue est à couper le souffle, je vous le promets. En tout cas, vous voyez dans les images que j'ai fait, c'est incroyable, on a toute la ville de Jaipur sous nos yeux. Et en plus, on voit le Mahal qui est juste en bas, vous savez, le palais qui est dans l'eau. On le verra demain sur les images que je vous prépare. En tout cas, ça va être un beau moment, en tout cas, au niveau des émotions, de voir ce grand palais comme ça situé en plein milieu de l'eau. Ouh, la journée se finit, hein. Il va falloir pas tarder à redescendre. Il n'y a pas trop de touristes, on est plutôt calme, tranquille, et en plus si vous venez au mois de novembre comme moi en Inde, entre le mois de novembre et le mois de janvier, sachez qu'il fait entre 25 et 30 et c'est plus que supportable quoi, voilà, c'est plutôt agréable comme température, climat méditerranéen on va dire, en Inde du Nord. Par contre en Inde du Sud je suis pas sûr qu'il fasse la même température, à mon avis le thermomètre va monter parce que forcément on se rapproche de l'équateur. Et je pense par exemple à Goa, qui est une très très belle plage à visiter, côté océan Indien, en face de l'île Maurice. Ça doit être magnifique. Hello. Thank you. Deuxième et dernier jour ici à Jaipur, puisque deux jours c'est largement suffisant pour visiter Jaipur. Là on va faire le City Palace de Jaipur et puis après on verra le fameux Palais des Vents
Et on terminera par le joyau et la perle, c'est le Jal Mahal. Vous verrez un petit peu tout ça dans les images. J'espère que ça vous fera rêver et que ça vous donnera envie de venir. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog francejetequitte.com pour voir les conseils et mes retours par rapport à ce que j'ai vécu, les petits tracas que j'ai suivis. Voilà, et il y en a toujours de toute façon dans un voyage, ça peut jamais être hyper parfait. Et puis après tout, c'est ça qui donne un petit peu de piment, quoi, on va dire, à l'aventure. Hein, allez, n'avez quoi? C'est par là. Alors, je suis avec Ankita qui me sert de guide pour cette petite visite de Jaipur et donc de la ville. Il y a beaucoup de voitures et là on se dirige vers le palais des vents. Un très très grand palais, magnifique, très connu de Jaipur et de plein d'autres. Vous avez certainement vu des photos de ce palais dans des guides de voyage ou peut-être sur internet. Et donc voilà, c'est l'occasion de le voir vraiment en vrai.
déjà commencé donc cette nouvelle partie direction Agra en vous disant merci. Merci à tous les followers de suivre france-je-te-quitte.com. Voilà, c'est super cool de vous avoir sur Facebook Messenger ou par mail à alexandre@france-je-te-quitte.com. Et vous savez que aujourd'hui donc je me dirige vers la ville du Taj Mahal. C'est le truc que tous les Français connaissent, le Taj Mahal, une des 7 merveilles du monde. Et vous allez voir, je pense que on va vraiment en prendre plein les mirettes avec ce fabuleux palais. Et surtout, je pense que c'est quand on le voit en vrai que ça fait quelque chose. Alors j'espère, on verra bien. Voilà, j'attends mon chauffeur, il arrive d'ici à peu près 10 minutes. Voilà. Chauffeur gratuit fourni par des amis. Cool. Ça c'est plutôt bien quand on a des connaissances, effectivement, qu'on a de ces facilités sur le terrain. On arrive toujours à se débrouiller. Et ça, si c'est pas l'aventure, moi je vais vous le dire. Au revoir Jaipur. Au revoir. See you. See you Jaipur. See you Jaipur. Bye Jaipur. On est pas bien là, lever du soleil, tranquille, et le train avance tranquillement pour 3 heures de trajet en direction Agra.